Salut les barbus. Hier, mes écouteurs m'ont lâché. Et les écouteurs, c'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Je passe facile 2h30 de mon temps de la journée quand je vais au boulot dans le RER B. Et pour pas péter un plomb, si j'ai pas de musique, je meurs. Alors je me souviens plus c'était quoi cette marque, mais ils ont bien tenu puisqu'ils ont tenu 2 ans. Et donc je me suis acheté une nouvelle paire d'écouteurs. Edges One machin truc. Je les ai payés 30-35 balles. J'ai pas retrouvé ceux-là, malheureusement. Donc j'ai trouvé ceux qui étaient les plus proches. Et pourquoi je prends cela? Parce que le câble est plat et quand je le plie comme ça, c'est relativement facile à démêler. Et c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est la musique. Comme je le disais, donc j'ai au moins 2 heures de transport par jour quand je vais au boulot et je me mets de la musique, sinon je pète un plomb. Et quel genre de musique? La musique de barbare, évidemment. J'ai quoi sur mon téléphone en ce moment? Je vais vous dire ça. Je suis relativement cyclique, c'est-à-dire j'aime bien toujours la même chose. Une fois de temps en temps, et que je change une fois de temps en temps. J'ai quoi? J'ai du Animal as Leader, j'ai du Deftones, du Ghost, du Lamb of God, du Meshuga, du Pantera, du Tesseract et du Wardruna. Alors j'adorerais vous passer des extraits sur cette vidéo, mais si je fais ça, YouTube va me donner une fessée à cause des droits d'auteur. Mais globalement, la musique, j'adore ça. Je sais pas quoi dire d'autre à part que si j'ai pas de musique, je meurs. Et donc, oui, donc dans le RER, mes écouteurs qui commençaient à mourir, c'est-à-dire j'avais plus que du son dans l'oreille droite, plus dans l'oreille gauche, et j'ai passé tout le trajet à essayer de bidouiller le câble ici en faisant comme ça, en faisant nia, 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 nia. Et en arrivant à Gare du Nord, je suis allé m'acheter une autre paire parce que sans musique, je meurs. Je suis pas vraiment un audiophile, loin de là, puisque il y a des écouteurs qui coûtent plusieurs centaines d'euros, ceux-là c'est genre 30 balles, mais ils font le job, et puis aussi je suis déjà à moitié sourd, donc je mets la musique à fond, je me blasse les oreilles, avec de la musique de barbare. Comme je disais précédemment, j'ai tendance à être super cyclique dans mes choix musicaux, en ce moment, j'écoute Deftones à fond, à cause de la sortie de leur dernier album, que je me suis acheté d'ailleurs, parce que je n'arrivais pas à le pirater comme un vilain. Pour être honnête, il y a 4-5 chansons qui sont vraiment géniales, le reste est un peu moyen. Mais depuis un mois, je m'écoute une bonne partie de leurs albums en boucle. Il y a quelques mois, c'était Tesseract, groupe anglais de metal atmosphérique, je sais pas trop comment on dit ça, mais juste génial. Et pareil, je l'écoutais en boucle au boulot. Bien sûr, je mettrai des liens dans la description sur tous les groupes que je viens de parler. Aujourd'hui, on est samedi. Hier, c'était vendredi, il faisait vachement beau. Aujourd'hui, il fait bof moyen. La mission, c'est de tourner, enfin de finir de tourner un épisode de la Grotte du Barbu, mais d'abord il faut que je range mon bordel. Comme vous pouvez le voir. Et la thématique, ce sera le couteau, le feu, le bois.
N'hésitez pas donc dans les commentaires à dire avec quoi vous écoutez de la musique, qu'est-ce que vous écoutez comme musique, c'est quoi les applis que vous utilisez. N'hésitez pas à écouter les trucs que je mettrai en lien et à me dire ce que vous en pensez. Puis à linker les trucs que vous adorez pour me faire découvrir des trucs. J'ai tendance à bloquer un peu ma bibliothèque musicale depuis les 10 dernières années. Et peut-être les 3-4 groupes que j'ai découverts, c'est Meshuga, Tesseract, Ghost. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc, si vous avez des trucs démentiels à me faire découvrir, n'hésitez pas à me balancer un lien. Et ben c'est tout pour ce vlog. Vive la musique et que la barbitude soit avec vous. C'est comme ça qu'on allume sa clope quand on est un barbu.